Bonsoir madame, monsieur, merci au père retrouve-nous en ce samedi pour sa journal en créole mauricien à Nougat-Bantit. Plus qui 400 enseignants depuis Special Needs Education Schools peuvent bénéficier d'une formation gratuite depuis Commonwealth of Learning. Lancement fin fait grand matin dans Polytechnics Mauritius, dans Pamplemousse, pour épouse Premier ministre Kobita Jocknut, la marraine secteur des bandes Special Education Needs dans Maurice. Ma nouvelle construction, man la case NHDC, pouena man facilité des man panneaux solaires. C'est une annonce qui fin fait à Zodi pendant lancement deuxième phase Home Solar Project dans Montagne Longue. Dépasse l'histoire Maurice inscrite dans registre international Mémoire du Monde, l'UNESCO. C'est la mission bienheureux père Jacques-Désiré Laval et Clis Clavaz dans l'île de France. Ça peut gagner une reconnaissance internationale. Laboratoire virologie dans l'hôpital Candos Fingain, un nouvel équipement qui fully automated immuno. C'est un don de Lions Club Savane et il peut permettre analyse des sangs et sentillons en seulement inerte. Ideo d'Antioch qui peut dominer avec second tour des bannes élections présidentielles qui pourra demain. Merci pour fidélité. Plus que 400 enseignants Special Needs School qui peut bénéficier d'une formation depuis Commonwealth of Learning peut donner en bas responsabilité ministère de l'Éducation. Sa cours là lui offert gratuitement et lui peut permettre à ban bénéficiaire poursuivre pour la suite ban l'étude universitaire. Lancement sa programme là fin faire grand matin dans Polytechnics Mauritius dans Pamplemousse pour épouse Premier ministre Kobita Jocknut, marraine secteur des ban Special Education Needs dans Maurice. Également présent pendant sa cérémonie-là, vice-première ministre Lila Davidouken-Lutchman. Ben détail. Sa formation-là pour aider ben professeur, l'école spécialisée répond plus bien à ben besoin éducatif ben élèves qui en situation handicap. En tout, il n'en plus que 400 et ils sont sortis depuis 72 institutions à travers Maurice. Ils n'ont pas capable enseigner des enfants spéciaux avec ben méthode traditionnelle. Donc, je pense que ça coule là justement, ils peuvent donner nous plus d'outils, même si nous déjà avons une formation, mais la formation ne s'arrête jamais. Donc, c'est important de continuer le développement professionnel. Donc, c'est la raison pour laquelle nous là. Deux enfants, c'est extraordinaire de cette façon. C'est nous qui nous besoin étudier eux pour nous capables de nous-mêmes nous mieux pour qu'ils soient capables de dépasser eux man certains obstacles nous c'est discipline eux nous c'est encadrer eux mais il peut aider moi beaucoup de côté administration aussi et comment pour gérer les staff eux man émotion même côté l'enfant comment pour faire learning in the conducive environment. Lancement sa programme formation là in fait par Premier ministre ce madame Kobita Jocknut qui marraine secteur Special Education Needs. Formation pour dispenser par Commonwealth of Learning. Nous pensons qu'il le fait, Maurice, et n'a 400 éducateurs qui spécialisent l'inclusion, diversité et l'équité dans le système de l'éducation liane réalité. Rôle qui madame Kobita Jocknut et n'a en tant que marraine de sa secteur-là, l'est tout à fait remarquable. Pour la population, le fait qu'il y ait n'a saban 400 éducateurs-là qui bien formés et équipés, l'est un accomplissement notable. Banco pour faire online, je peux commencer les 1er juin et je peux dire 6 mois. Ça m'a dit que nous avons 6 modules qui je peux faire pour le moment, pendant 6 mois. Après ces 6 modules-là, je peux embarquer dans un cours à l'UTM que je peux faire un remaining 6 other modules. Et là, ça peut culminer vers un certificate in special and inclusive education. Ça va un professeur là, je peux dire ma maman pour ça va un enfant là. Et même si je travaille plusieurs années dans ce secteur-là, mais à ce stade, je suis capable de suivre le training online, à ce pace, à ce rythme. C'est très important pour donner cette facilité-là. Parce que nous avons besoin de ce secteur-là, comme je disais, du monde qualifié. Après lancement, épouse Premier ministre Kobita Jocknut, Finzouen, a bénéficié de sa formation-là. Chantez, Madame de Wolde.
Les Finnois aussi visitent le Nursing Lab et classe Engineering Polytechnics Mauritius. Nous causons le moment avec ma nouvelle construction NHDC qui pourrait nous faciliter des panneaux solaires. C'est une annonce qui fait une référence samedi après-midi pendant le lancement deuxième phase Home Solar Project dans résidence Muguet dans Montagne Longue. Et il y a environ 46 bénéficiaires de sa grand projet Central Electricity Pod avec soutien UNDP qui est capable de produire notre propre électricité. L'objectif, c'est non seulement économique, mais également écologique. Ben détail. Dans résidence Muguet, dans Montagne Longue, Enin Stella 46 a bénéficié de deuxième phase Home Solar Project. FECLA, CEB, Central Electricity Board, finastal ban panneau photovoltaïque l'eau toit zut ban la case, et que sa ban famille-là, pour capable Stella produire zut propre courant. Ben courant moins, mais moi content, mon courant mine moins. Je trouve que c'est une facilité pour nous et je remercie le gouvernement pour ce qu'il me fait. Le courant est moins, mais nous bien content. Le gouvernement a continué le travail pour soutenir les familles plus vulnérables pays. À ce stade-là, il y a une nouvelle case NHDC qui pourra ranger et pour équiper avec des panneaux solaires. Un pas en avant vers l'objectif de produire 60% de nos besoins énergétiques depuis les sources renouvelables jusqu'à 2030. Tout ban construction future de ban NHDC, nous pour installer sa ban panneau solaire là avant qui faire la livraison de sa ban site là. Vous êtes capable de produire d'électricité et produire l'électricité propre, pas l'électricité qui pourra le polluer. Ben, l'autorité a pédaillé invite ban famille ban complexe NHDC participe dans le programme HSP. Chaque famille qui met sa panneau là, il peut dépenser moins de casse pour payer courant. Et le gouvernement peut offrir ça cadeau là. Un bel avantage pour vous, en même temps un avantage pour payer. Comment Joe, tu peux expliquer, nous pas besoin d'acheter, ça au bon des vidéos, et en même temps nous peut protéger nos planètes. Pour installer 477 kits bientôt dans Dagotier sous deuxième phase HSP pendant 3 prochains mois, et pour installer 712 kits qui t'y finit réservé dans mon complexe NHDC. À côté fin fake fair, ban activité sensibilisation, dans Maurice, Kouma de Rodrigue. Nous causons toujours même cisé, nous causons l'énergie verte avec mix énergétique qui pour une réalité d'ici 2030 et pour capable atteindre ça l'objectif là, les fondamentales qu'il est à et que la communauté ben à faire de la même longueur d'onde. Et justement, Club des entrepreneurs de la transition énergétique et Business Mauritius fin travaille ensemble lors de ce thème là pendant une rencontre qui finit là hier après-midi dans MCCI. D'ici 7 ans, Maurice pour capable atteindre une production électricité mixte avec l'utilisation 60% de l'énergie renouvelable. Pays qui peut faire déjà un progrès important pour élever sa défi là. Dans une cause, énergie mixte, c'est tout un mélange éolien, photovoltaïque, charbon, diesel et là aussi l'huile lourde. Mais là, nous faisons une transition vers plus l'énergie renouvelable. Comme on connaît, le ministère met l'engagement pour arrêter de servir charbon jusqu'à 2030. Et là, nous pouvons dépendre plus de sources d'énergie renouvelable pour nos sources d'électricité. Ban initiative pour encourager la production 60% de besoins énergétiques à partir de sources vertes pour multiplier. La compagnie Green and Yellow, qui est spécialisée dans une solution innovante pour réduire l'empreinte carbone efficacement, et aide à la transition énergétique. Plus que 6 ans qu'ils nous ont installés à Maurice et nous particulièrement involvent dans un projet photovoltaïque, solaire photovoltaïque, quand on a des abans centrales qui opéraient actuellement pour le compte du CEB, nous fournit courant au réseau et nous involvent aussi dans Energy Efficiency pour accompagner une compagnie Maurice pour réduire cette consommation d'énergie. Business Mauritius, à travers ce site web, signe attire, encourage communauté bonnes affaires à adopter une consommation et une production durable. Nous avons 5 thèmes et un de ces thèmes, c'est la transition énergétique. Et dedans, on donne des exemples d'actions que les compagnies peuvent mettre en place au sein de leur compagnie pour pouvoir avancer la transition énergétique.
Pour capable atteindre ça l'objectif là en 2030, secteur public et privé peuvent ensemble pour élever ça défi là. Club des entrepreneurs, la transition énergétique regroupe l'ensemble de ceux qui sont engagés dans une activité liée à l'énergie renouvelable. Club énergétique, c'est un peer group, comment nous dire. Alors, nous joignons ensemble, nous avons l'intérêt commun, c'est-à-dire à soutenir ça l'objectif gouvernement là et au niveau du privé pour guetter comment nous pouvons répondre à l'appel d'offres pour un projet qui est attrait à l'énergie énergétique et essaye aussi d'apporter nous soutien à côté de nos études. Business Mauritius est club des entrepreneurs qui fait réunir un dirigeant l'entreprise pour une réflexion sur la transition énergétique. Une causerie animée par Dr. Sanju Dinaponré. Il fait donner un détail précis sur un défi et un enjeu pour mise en place feuille de route pour atteindre 60% l'énergie renouvelable dans le mix énergétique pays. Finalement, après une série de discussions entre les invités. Nous cause la santé à Stella Dantite, nous spécialisé man service laboratoire virologie dans l'hôpital Candos. Cette fois Stella plus rapide grâce à un don un nouvel équipement qui appelle Fully Automated Immuno Analyzer qui finirait mettre à ministère de la santé grand matin pour Lions Club Savane en sa journée samedi là cérémonie fin faire dans l'hôpital Victoria et bien connaît qui ça l'appareil là l'hypo capable analyse 10 sangs et échantillons en seulement une heure de temps. Bon détail. Dans le laboratoire virologie dans Candos, tous les jours, fait un test manuellement. Sa procédure là, il besoin une journée entière pour avoir un résultat. C'est l'appareil là qui appelle Fully Automated Immuno Analyzer. Li pou servi pou faire plus grand nombre tests lors ban différentes pathologies. Li a capacité traite jusqu'à 80 échantillons en même temps. Nous faisons normalement tests comme HIV, comme hepatitis B, C, cytomegalovirus, toxoplasmosis, syphilis et beaucoup ben des autres tests, tout ben viral tests que nous aussi en a ben les autres types de virus. Quand nous gagnons un fully automated equipment, ça veut dire quand on peut gagner une échantillon. Ou bien nek load dans sa equipment là ou ben échantillon et ou ben reagents et ou programme li pou faire tout ben test à peu près 200 tests par le temps li capable faire manuel test li capable en ou en journée. Sa équipement haute technologie là li fin coûte 2,5 millions roupies et que fin remet ça à ministère de la santé pour Lions Club de Savane en collaboration avec compagnie Purple Blue. La santé qui font partie un de demande axe de service. Effectivement, nous trouvons que cet appareil-là va beaucoup aider dans le service médical. L'année passée, fin analyse 16 millions échantillons. Selon le ministre de la Santé, cet appareil-là pour faire un service vin plus efficace. Avec les temps, nous l'engagement vers un test peut augmenter. Et pour faire un test qui peut gagner un résultat plus vite, c'est besoin d'un côté plus de personnel, mais aussi ben équipement. En même temps, quand il peut générer ben test, ça, il peut capable et dans une forme digitale aussi. Et là, avec le temps, nous travaillons comment nous capable faire ben résultat là, al dans ben différents l'hôpital. Pour capable service à l'équipement là, d'abord, bise faire formation ben personnel. Me retrouve pour la suite sans journal après sa passe publicité. Fait bizarre arrive ça. Accident la route détruit à la vie. Respect la vie des autres quand on l'eau s'y met.
Dans le titre, Nutipédiali dépasse l'histoire Maurice, inscrit dans le registre international Mémoire du monde, l'UNESCO. C'est la mission bienheureux Père Jacques-Désiré Laval et que aussi l'esclavage dans l'île de France. C'est un document original qui relate ça dès l'événement-là, peut obtenir ainsi reconnaissance internationale. Cabinet ministériel fin discute de sa dénomination-là pendant sa réunion hebdomadaire, ban orcive la traite négrière et l'esclavage à Maurice entre 1721 et 1892, et ce qui, l'apôtre de Maurice, contribuait ainsi à la recherche, l'éducation et préservation patrimoine. Document là. Reportage. Ban document, l'omission Père Laval et l'esclavage pendant période coloniale à Maurice fin reconnaître comme un patrimoine documentaire pour l'UNESCO. Zot pomi ban 64 nouveaux éléments qui fin inscrits dans le registre Mémoire du monde. Ça deux éléments-là fin cités dans chapitre registre qui fin identifié ban esclave dans ancien colonie française. Reconnaissance de l'UNESCO donne l'accès à ban document qui témoigne l'engagement Père Laval auprès de ban pauvre et ban esclave. Sa ban document-là consiste ban lettre qu'il fin écrire ou signer, so ban courrier officiel, ban rapport, so ban l'ordonnance, ban livre de sa missionnaire-là du pays. Dimoun à travers le monde pour plus capable découvrir la vie et mission de Jacques-Désiré Laval. Un document original, le trait et des ban esclavages à Maurice de 1721 à 1892, fin également classé Mémoire du monde. Une collection de ban documents, l'eau, la vie des ban esclavages, marronnage, abolition de l'esclavage, apprentissage et émancipation. L'histoire de l'esclavage à Maurice fin prend une grande importance pendant la période coloniale française. Inscription de sa ban document-là au registre de l'UNESCO témoigne publiquement l'importance patrimoine documentaire de Maurice. Ça pour faciliter ban recherche, l'éducation et que préservation nos histoires nous pays à travers les mondes. Et ça rendez-vous en ce week-end dans Chinatown Food Festival qui peut dérouler dans pour lui l'occasion pour découvrir la culture, diversité et la cuisine chinoise. L'équipe MBC ici dans Chinatown grand matin pour quitter comment la préparation peut dérouler pour ce week-end-là. Nouvelle de Ouastelana dans Turquie à côté et une fin de campagne avant second tour présidentiel, second tour élection présidentielle. Turc opposant Recep Tayyip Erdogan et Kemal Kılıçdaroğlu pour dérouler demain dimanche après une fin de campagne marquée par la question migratoire et la présence dans le pays des millions de Syriens qui finissent sauvés depuis la guerre. Retour dans Maurice, nous cause les temps. Et Nabanias qui sortit depuis l'est-sud-est, qui peut influencer les temps locaux à partir à soir. Prévision, mi-couvert dans la soirée. Le ciel pougnias demain, dans la nuit aussi, avec ban averse, parfois modéré, surtout à l'est, au sud et plateau central. Température minimale pour de 17 à 19 degrés, l'eau plateau central, et contre 21 et 23 degrés, l'eau la côte. Mi-couvert demain, après-midi, pour vin parfois nias à l'est, au sud, et l'eau ban terrain élevé avec un la pluie, température maximale pour de 23 à 25 degrés l'eau plateau central et compte 26 et 29 degrés l'eau littoral. Divan soufflé l'est, sud-est, environ 20 km par heure avec ban pointe 50 km par heure dans ban l'endroit exposé. La mer pour fort de la ban récif avec ban houle sud-ouest, l'eau 2 mètres 50, sorti en haute mer, déconseillé. Marée pour haute 21h32 et 7h58 demain, Lipouba 3h23 et 14h34 demain, soleil pour coucher demain 17h37, lever soleil demain 6h36. Mesdames, Messieurs, sa zone a fini ici. À la veille, la fête des mères. Nous profitons l'occasion pour souhaiter à tout bonne maman une bonne fête des mères. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention. Au revoir. Bon week-end.